ici Catherine pour Science TV. On vous invite à venir au Festival Eureka. Aujourd'hui et demain jusqu'à 4h30, il y a plus de 100 activités, dont la tyrolienne. Oui, ça se passe super bien, vraiment. Le public est au rendez-vous. Le soleil aussi. D'où vous avez l'impression que j'ai emprunté la casquette à mes enfants présentement, comme trop petite. Mais ça prend ça. Là. J'ai emprunté une casquette au festival parce que le soleil est comme assez fort, merci. Mais oui, on ne peut pas demander mieux. En fait, comme météo, on a toujours peur dans ces événements-là que la pluie arrive, ça gâche tout, mais là, c'est pas le cas. Là, les gens, en plus, sont au rendez-vous. On voit que le site est complètement survolté. Oui. Puis hier, c'était la journée scolaire. Il y avait des enfants partout. Puis je pense que tout le monde a passé des bons moments. Les scientifiques sur place sont vraiment incroyables. Et on peut vivre une super belle expérience au festival, vraiment. Bien, justement, on vient de voir une démonstration tout à fait unique. Complètement incroyable. Ce Michel Lauzière, il est vraiment très surprenant à chaque fois. Et là, il vient de nous jouer une valse de Strauss. Mais avec... Eh oui, un classique avec des bouteilles remplies d'eau, des petits bâtons accrochés par ses patins. Ça dure 40 secondes, mais c'est un beau 40 secondes. Et c'était comme assez intense, merci. Fait que c'était, voilà, on le refait demain à 4 heures. Et c'était vraiment exceptionnel. J'adore ce genre d'idée qui rassemble un paquet de monde, puis au bout d'une minute, c'est fini. J'adore ça. Je trouve que dans ce genre de festival-là, c'est ça qu'on veut vivre. Et sinon, est-ce que tu as profité de la crème glacée à l'azote liquide? Oui, bien, j'en avais profité au lancement. Mais non, là, je vais y aller. Tu me fais penser que ça va faire du bien, justement. Pause rafraîchissement. Oui, ça fera pas de temps. Puis sinon, ben là, il me reste plein de choses à faire. J'en ai vu quelques-unes hier, mais il m'en reste encore plein à voir aujourd'hui. Donc, je sais pas, j'allais me faire un cerf-volant ou une éolienne, là, j'hésite. C'est ça, dans le fond, il y a comme plus de 100 activités, donc il faut vraiment 3 jours, c'est pas en masse. Pour... Ah non, c'est ça, en fait, on peut venir passer les 3 jours ici. Ben là, je dirais que pour pouvoir passer 3 jours, s'il n'y a pas un de fête, il est un peu trop tard, mais... Il reste demain. Pointez-vous le matin. Ben oui. Vous avez jusqu'à 4h30. Voilà. Tout faire. C'est ça. Go, c'est parti. Alors, arrêtez de regarder notre vue, puis partez maintenant. C'est qu'il y a vraiment énormément d'activités à faire sur le site. En plus de profiter du vieux port, du centre des sciences, de la plage du Quai de l'Horloge, je viens d'ouvrir, il y a un paquet de trucs, en fait, à faire au vieux port en fin de semaine. Mais essentiellement, Eureka est comme la grosse affaire. Là. Ça s'en va demain. Fait que c'est temps d'en profiter. On remet les scientifiques en cage demain soir. Et on les rechippe, c'est ça? Oui, c'est ça. On les met sur un bateau ici, là, sur un container, puis on les envoie quelque part en Asie. Bien, je te remercie beaucoup pour ton temps, puis on te souhaite une bonne journée. Merci, à vous autres aussi. Bon festival. Oui, bon festival à tout le monde.